Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Alors, mon nom c'est Gisèle, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais, ok? C'est très important l'abonnement. Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une situation. Vous savez, souvent quand on est jeune, on ne pense pas qu'on va vieillir un jour. Donc on focus sur notre beauté, sur le succès qu'on a auprès des hommes. On ne prend pas le temps de s'asseoir pour se dire, est-ce que le temps passe? Est-ce que je serai toujours courtisée? Est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas passer à côté de quelque chose? Donc ça, c'est l'histoire de cette femme qui, elle a aujourd'hui 50 ans. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais été mariée. Et le pire, c'est qu'elle dit, c'est quoi? C'est qu'aucun homme ne lui a jamais dit « je t'aime ». Elle était courtisée, hein? C'est une belle femme qui a eu beaucoup de succès, mais c'est toujours des aventures. Jamais, jamais, aucun homme ne lui a dit « je t'aime ». Et elle s'est dit, est-ce que c'est parce que je tombais toujours sur les mauvaises personnes ou bien est-ce que c'est moi? Donc, elle se retrouve donc à 50 ans assise comme ça, en train de réfléchir. Donc, elle fait un retour sur sa vie et elle réalise que elle mettait toute l'emphase sur sa vie professionnelle. Donc pour elle, c'était le succès absolu au niveau du travail. Elle a atteint les plus hauts niveaux de sa carrière. Ok? Alors donc voilà la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que oui, c'est bien beau la réussite professionnelle, c'est bien beau de gagner beaucoup d'argent, mais ça dépend toujours de chaque personne si vous avez des objectifs de vie. Ok? Parce que regardez cette femme. Elle ne s'est jamais assise pour se questionner sur qu'est-ce qu'elle voulait vraiment. Elle pensait toujours qu'elle sera toujours belle, belle, belle. Mais aujourd'hui, à 50 ans, elle est encore belle. Moi, je l'ai vue là, elle est belle. Mais c'est tout simplement, c'est qu'elle est seule. Okay? Les hommes qui la courtisaient quand elle avait 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, ils ne viennent plus puisque pour nous, à 50 ans, on n'a pas autant de succès, nous, les femmes. Ce n'est pas comme les hommes qui sont tout le temps courtisés. Un homme même de 80 ans, il va avoir une fille de 20 ans. Hein, parce que s'il a les moyens, la fille de 20 ans va courir après, pareil. Alors voilà, c'est ça. Donc voilà une vie, un parcours de vie qui est quand même, somme toute, une vie, un parcours assez triste. Parce que la fille, elle a des immeubles, elle est à l'aise, mais elle est seule. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez vieillir seule? Ou bien vous voulez vieillir entouré des gens, de vos enfants, être accompagné d'un homme qui va vous accompagner, qui vous a connu plus longtemps, un homme avec qui vous allez partager votre histoire? Donc, il faut penser à ça quand vous fixez des objectifs dans la vie, parce que la vie seule, ce n'est pas drôle.